Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness de la vérité. Ça va, tranquillou, ça va. Donc, vous avez certains comportements des coachs sportifs, des pseudo-coachs sportifs, des pseudo-lards, parce qu'ils mangent du lard, ces mecs. Ouais, oui. Donc, je vais me mettre dans la tête d'un coach sportif. Je suis dans la salle avec mon ordinateur. Je regarde, je passe le petit coup de balai. Je regarde s'il y a en état des machines. Ils vont regarder. Bonjour. Il y en a qui disent même pas bonjour. Ils sont comme ça dans le bureau. Ils regardent. Donc, une fois qu'il y a du monde dans la salle, ou des clients, des nouveaux clients dans la salle. Donc, voilà, ils présentent, ils vous ramènent tout ce que t'as de bordel, les papiers, les tarifs de la salle, les tarifs de le forfait. Ils vous présentent. En même temps, ils vous racontent une petite blague. Quand c'est une bombe atomique, voilà une bombe, quand des grosses fesses, des gros nichons. Comme ils disent certains coachs sportifs, putain, elle est fraîche, hein. Waouh, qu'est-ce qu'elle est fraîche. J'aimerais bien la bazooka ce soir, celle-là. Ah ouais. Ah, mais le problème, il parle avec son collègue. Putain, elle est fraîche. En gros, dis-toi bien, on est des coachs sportifs. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça peut jouer à notre métier de coach sportif, on peut se faire virer en cas où. Ouais, ah, c'est vrai, gros. Ouais, j'ai pas pensé, hein. J'ai été carrément flatté par cette gonzesse avec son gros parfum. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, il y a des caméras, on peut se faire virer, on a l'avertissement. Donc, il arrive, il fait un petit tour de salle. Ça, est-ce que ça vous plaît? Manigance, avec qui jouent avec leur charme. Ils sortent leur gros bras t-shirt de la société de fitness, de bimusculature. Donc, ils font comme ça, montrent leur biceps. Comme ça, quand ils vont vers la cliente. Donc, après, il parle avec son collègue, il envoie un petit SMS. Putain, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Essaie de l'aborder. N'oublie pas que t'as une copine, toi. Hein? Ça se trouve, c'est la copine à ta meuf. Hein? Ah, ouais. Ah ouais, gros, on sait jamais, ouais. Et toi, t'es célibataire, tu peux tout croquer, hein? Ah ouais. Ah, n'oublie pas, t'es un bras, là. Ah, tu te fais toujours bouffer par ta copine. Putain, arrête, mon gros, tu me tapes la honte, bordel, là. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, respire, respire, respire. Et il fait un petit tour après. Donc, il dit, ah, est-ce que ça vous plaît cette salle-là? Je dis, oui, ça va. Et, ouais, tranquille. Et voilà, il faut des papiers à fournir. Pièce d'identité. Donc, vous avez les frais de dossier. Et je vous estime que les frais de dossier sont à 50 balles. Sans pas tirer un SMS. Oh, 50 balles. Fais-lui une offre gratuit, les frais de dossier. Ouais, bah c'est bon, je vous fais gratuit, normalement. Ah, vous le dites à personne. Hein. Vous dites, ah, ben merci, c'est sympa. Je suis étudiante, c'est que je touche un peu l'aide de l'RSA. Merci, merci. Donc, voilà, remplis le dossier. Ça va coûter combien par mois avec le budget limité de 6 h à 23 h? Ça n'a pas tombé, le gros, l'appel-moi, il est à 25 balles, hein. Oh, tu peux lui enlever 5,80 €. Ouais,
Ben voilà, je vous fais une petite offre aussi. Ouais, 5,80. À 5,80. Ah, mon gros, oh, t'as bien assuré, hein. Tu lui as offert l'inscription du dossier, et tu lui as fait 5,80 €. Ah, t'as la classe, mon pote. Ah ouais, ben merci, c'est gentil. Ouais, c'est vous êtes franchement, vous êtes super sympa. Mais excusez-moi, je peux vous dire un mot. Ça, vous êtes très charmant. Ouais, rougis comme une tomate. Mais c'est comme ça. C'est vrai, mais c'est vrai, je suis charmant. Oui. Ben merci. Ah, son pote, ouais, ça va? C'est comment ton prénom? Je m'appelle Mirabeau Ibn Miel. Ah ouais, joli nom, vous êtes des quoi d'origine? Je suis slaveur, maroc, turcoul. Oh, c'est quoi de ça? Ah, ça vient de pays républicains. Quel pays républicain? La nord, sud-ouest ou sud-ouest-est? Bah, sud-ouest-est. Ah, oui. C'est un beau petit mélange, vous êtes très charmante. Est-ce que vous êtes célibataire? La mademoiselle, la demoiselle. Oui ou non? Ah, ouais. En fait, vous êtes la moitié, 50-50. Ah, ouais. Ouais, éventuellement, on peut se voir ce soir. Ah, ce soir, je dois réparer ma bagnole à 17 h 30. Mais son pote, quel banaveur! T'es que ta meuf, elle te sert comme un passe à linge. Ben, éventuellement, on peut se voir ce soir à 20 h. On va se manger un petit plat de pizza. La lasagne. Ah, y a pas de souci. Hein. Donc, la meuf, elle arrive, hop, t'as sublime et tout. Et là, ma soeur pote, bon, j'ai pas d'expérience, comment il faut faire pour la serrer? Ben, je reste bloqué. Je sais pas comment il faut faire. Ouais, ok. Ah, ouais. Puis la meuf, elle dit, oui, j'ai mes sauces. Ah, désolé. Oh. Donc, ils vont faire un bisou. Allez, les pseudo-coach sportifs, ils l'envoient demain à la salle. Donc, ils se donnent un rendez-vous à 7h30 pour coach. Il n'y a personne à la salle. Il fait des squats. Il fait le bordel. En fait, tu sais, c'était qui? Il voulait pas lui dire ce bras, c'était sa cousine. Et même le gars, il ne savait pas. Bam! Bam, 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 la gueule. C'est ça, les coachs sportifs. Ils se font tabasser la gueule. Ah ouais, bam! Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Bye bye.